Coucou ma grande, s'il te plaît, tu peux m'arranger mon truc si m'a bien m'attacher mes cheveux là. Je me suis mis Regarde comment ils aiment le commérage. Regarde. Mais c'est toujours ça les gens. C'est toujours ça. Comme ils aiment le commérage. Ça. Tu vas voir ta matinée là. Ouais, c'est cool. Si. Ouais. C'est cool. Tu veux que je l'attache comment, en queue de cheval? Mmh. Ok. Bonjour Christian. Natacha, bonjour. Merci Spice Olga. C'est une de mes followers qui est venue à la maison me coiffer, me tresser hier. Mmh. Mmh. C'est bien ça. Ouais. En plus, elle t'a bien coiffé. Elle a, oui, elle tresse très bien. Bonjour Das Nubia. Adout Arama, je vais te bloquer après. Pour qui vous vous prenez? Tu es qui pour me donner des ordres? Hmm? Sorcier. Merci ma grande. C'est lui qui demande. Elle est du côté droit, elle a quoi? Elle a une perfusion? Elle a une perfusion? Non, non, elle a pas de perfusion. C'est pas une toile de toilette, mais pourquoi tu demandes? C'est même pas à toi de t'en charger. Fais-le selon l'état. Oui, c'est à toi de faire la chambre à Madame Lafont, oui, mais tu peux pas lui faire sa chambre si elle est là encore là et qu'ils n'ont pas fait la toilette. Ben, c'est pas toi qui le fais, c'est selon l'état clinique du jour de la personne. Laisse l'aide soignante le faire. Ah non, je ne fais pas la toilette. Non, je vais pas faire la toilette. C'est ce que je te dis. Mais si à l'aide soignante, tu demandes à l'aide soignante. À part si on est en retard, mais tant qu'on n'est pas en retard, parce qu'elle, elle peut se lever. Ah, d'accord. Donc tu peux pas faire la toilette. Elle a des points d'appui, cette dame. Elle est autonome. Alors. Fais ton travail et puis laisse l'aide soignante faire. Tu peux dépoussiérer, mais pas le sol. Passer parce que si elle se lève, elle a envie de se lever, tu vois, ça peut glisser et là, voilà. Là c'est ta faute à toi, tu vois. Voilà. Allez à toutes. Allez à toutes. Mounia, coucou ma chérie, ça va? Bonjour. Hier, j'ai pas pu faire le direct parce que j'étais très asthénique. Ah, j'étais fatigué hier. Hein. J'avais mal au sacrum, j'avais mal au coccyx. J'étais allé me faire masser chez une dame, tu vois, une ariégeoise. Mm. Elle masse très bien et puis elle est magnétiseuse aussi. Mm. Et quand elle masse, tu peux avoir mal au corps. J'avais mal partout. Je m'assois, j'ai mal. Je me lève, j'ai mal. J'avais mal au sacrum, j'avais mal au coccyx. J'ai dormi hyper tard, c'est qui? Il est quoi? Il veut sortir dehors, je crois. Il veut sortir? Attendez, Bernard, je vais vous aider. Je vais tenir la porte. Il veut sortir? Il aime bien sortir, à venir prendre l'air, même avec sa fille. Hein. Oui, il fait bon. Ah, il fait frais, hein. Cache. Oui, je suis sortie dehors pour me cacher. Ah, le vent là, il est. Et du coup j'ai dormi ce matin, je suis très très froide. Mm. Et du coup, j'avais un peu de forme, tu vois. Il faut que j'appelle Philippe qui vienne faire le. Il faut que je demande à Philippe qui vienne faire le pansement. Mm.
Allô? Je me suis levé le matin, j'ai pris une douche très froide et puis j'ai repris la porte. Ouh, on est foutu! On est foutu! On s'est fermé à l'extérieur. J'ai envoyé un message à Fatou. Ouais, dis-lui de venir nous voir. L'autre jour aussi, je me suis fermé. Hier soir, le vent, vous l'avez entendu, monsieur Andu, le vent? C'est beau. Hier, je me suis couché, j'ai dormi, j'ai laissé ma clé. Vers minuit, je rampais pour aller l'éteindre. Tellement il faisait frais. Je rampais seulement, c'est-à-dire j'avais les doigts gelés, c'était... Ah. On a enfermé. Mais pas toi, elle répond pas. Allô? Oui, ma copine, il faut venir nous ouvrir, on est à gauche. Où est-ce que vous allez? La porte est fermée, là. Bah oui, on est tous pris en otage. À toutes. Elle arrive, Fatou. Il y a quelqu'un qui va venir nous ouvrir. C'est fermé, monsieur Oru. Est-ce qu'il a kinésithérapie ce matin? Non, 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 s'il vous plaît. Si, il est déjà allé avec Bernard. Il a déjà fait la kiné? Je ne sais pas s'il a déjà fait, mais... Elle arrive, Fatou, elle va nous ouvrir. Bonjour. Le vent, il était impressionnant, j'ai pas le temps. Toutes mes fleurs chez moi dans mon jardin, ils sont tombés comme ça. Hier, je vous ai promis de faire un direct. Des branches pour essayer de rattraper des roses. Alfredo, c'est pas la consultation qui règle les problèmes. Suzanne, je vais bien. C'est pas les consultations qui règlent les problèmes en fait. Vous connaissez déjà quels sont vos problèmes, mais comme vous êtes en face, c'est-à-dire vous faites l'effet miroir, vous vous renvoyez vos problèmes sur vous-même, vous ne voulez pas l'accepter, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni de l'acceptation. Ma chérie, pardon, mets le caillou. Je pense que je vais commencer la chambre. Attends, constatation, ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Parfois, tu fais même la constatation avec quelqu'un, il est de l'autre côté du téléphone, il te pompe l'énergie. La dernière fois, j'ai fait un direct là, il y a quelqu'un qui était derrière l'écran, qui me lançait le mal de tête. Vous êtes pénible, hein? Toi, il te reste beaucoup? Bonjour, bonjour. Hier, j'ai pas pu faire le direct parce que j'étais très, 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 très asthénique. Il fallait que je me repose. J'ai besoin de repos. J'ai vraiment besoin de repos. Il est temps que je prenne du temps pour moi. Ah, mais les nouvelles de qui et de quoi? S'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. S'il y a à dire, je me dis. Sans qu'on me le demande. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Ça va. Mais Miss Gacho, on n'a même pas encore enterré la pauvre. On va les entasser les uns sur les autres dans les morgues. Franchement, ça me fait rire. On rit, mais ça me fait réellement pas rigoler. Même Mince Gacho, on l'a pas, je n'ai pas encore vu son corps descendre à Bafam. Et bientôt, un autre va aussi tomber. Une autre va tomber. Pardon. Les ministres là, ils sont... Petit à petit, je vais arriver sur les ministres là. Ce sont eux qui sont certains ministres là. Ce sont eux qui sont derrière les rideaux. Ils veulent durer. Comme ils savent que bientôt le nom qui va partir dans l'espace... Ils savent que bientôt le nom qui va partir dans l'espace, ils sont en train de prendre, c'est-à-dire les jeunes là, pour revivre, pour renaître. Pas que bonbon.
Parce que derrière les rideaux, ce sont eux. Hein. Les petits gars comme le petit défunt qui était parti là récemment, là, c'était eux qui étaient au niveau des rideaux pour recruter. Ils ont recruté beaucoup. Il y a une autre là, elle vend la nourriture au bord de la route. Elle n'a pas signé sa part de pacte pour vendre la nourriture au bord de la route. Je ris, hein. Elle vend la nourriture au bord de la route. Nyamton les a tous mis dedans. Je vais aller. On a déjà enterré la mère. Enterré qui? Tu reprends ma grande? Ouais, je vais continuer. Tu peux toi rester un peu. Non, non, moi je vais. On a enterré Miss Ngachua. Silence, silence. Blonde princesse, je ne lis pas les messages. Oh. Si on te met 500 messages à lire, tu vas beaucoup lire. J'avais dit ici là que les gens là, les moignons Saba et Saba ne devaient pas toucher Nyamton. Parce que derrière Nyamton, il y a beaucoup qui vont tomber. Oh, ça va pleuvoir comme ça. Et pendant ce temps, les ministres là se rajeunissent, ils sont toujours chez eux. Bah, c'est eux, c'était ministre là, c'est eux. Je vais faire petit à petit jusqu'à arriver sur eux. Ils ne sont pas cachés. Et je voulais vous dire avant de reprendre mon boulot. J'ai des pansements à faire. Je voulais vous dire que ce n'est pas tout le monde qui vient sur la toile, qui vous donne des conseils, qui sont du bon. Il y a certains là, quand j'ai commencé à faire, ils ont commencé à m'engueuler. D'autres maintenant, comme ils se sont rendus compte que j'expose, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui font partie du sérail, que le sérail les a fabriqués à Yaoundé, on les a envoyés ici là pour venir espionner les gens. Ils font semblant de parler, c'est-à-dire d'aller dans l'autre sens, parce qu'ils ont vu que les choses sont en train de se dévoiler. Ils font semblant de dévoiler et pourtant ils sont avec ces gens-là. Donc faites attention. Je bois de l'eau citronnée. Pendant ce temps, ils sont en train de chercher qui va me faire tomber. Ils veulent utiliser la technique de la proximité. Ils croient que... de chercher, ils veulent monter une femme pour venir rentrer dans mon champ magnétique et prendre des informations pour leur donner, mais j'attends la personne là. Ils veulent monter un autre homme pour venir parce que en fait la vérité les dérange. Et moi j'attends les gens qui vont envoyer. Quand ils vont venir, c'est le cadavre qui va rentrer. Bye.